Coucou tout le monde! Alors, je me suis dit que plutôt que de vous expliquer tout par mail, j'allais vous faire une petite démonstration. Comme ça, je fais un peu Instagrammeuse en même temps que cricoteuse, tout ça. Donc, on a passé l'après-midi avec Ingrid à vous préparer vos petits logos pour mettre sur vos t-shirts. Donc, maintenant, ça va être à vous de bosser. Donc, dans ma classe, vous allez trouver la machine d'Ingrid qui est là, le tapis qui est là, et ces deux outils-là dont vous allez avoir besoin pour transférer vos logos sur les t-shirts. Donc quand vous allez arriver dans ma classe, la machine va être éteinte. Donc vous allez devoir appuyer sur le bouton qui est là. Vous restez appuyé longtemps, comme ça. Et là, la machine va se mettre en route pour atteindre la température de 180 degrés. Donc pendant que la machine fait ça, vous allez positionner votre t-shirt sur le tapis gris. Voilà, comme ça. Donc là, vous aurez une boîte dans ma classe avec le logo et la petite phrase. Donc vous allez d'abord commencer par poser votre logo. Alors il faut que ce soit la face collante qui soit sur le t-shirt et pas l'inverse, sinon vous allez avoir une mauvaise surprise. En fait, il faut que vous puissiez lire ce qui a écrit dans le bon sens. Donc vous posez votre logo au milieu du t-shirt, comme ça. Voilà. Ensuite, ne pas oublier de mettre le papier sulfurisé. C'est important parce que si vous avez un contact direct entre le plastique et la machine, ça ne va pas le faire. Donc ensuite, vous positionnez votre papier sulfurisé sur votre logo comme ça. Voilà, donc jusque-là, ça va. Et là, une fois que votre machine va être à température, vous allez la prendre dans la main. Et vous allez venir la poser. Bon, là, j'ai pas assez de longueur. Vous allez venir poser la machine sur votre logo. Et vous allez appuyer sur le petit bonhomme qui est là. Et elle va se mettre en route. Et pendant 20 secondes, vous allez rester appuyé sur le logo. Donc vous posez la machine sur votre papier sulfurisé pendant 20 secondes. Donc 20 secondes. Voilà. Hop. Ensuite, vous rappuyez sur le petit logo, là, le petit personnage. Vous reposez la machine sur le socle. Et ensuite, alors là, moi, ça, je ne l'ai pas fait parce que c'est le t-shirt de Mario Odile, ce n'est pas le bon texte. Mais une fois que vous aurez fait ça, vous allez enlever le plastique. Et normalement, votre logo va rester accroché au t-shirt. Parfois, ça arrive que voilà, il y a un petit bug. Et dans ce cas-là, il faut refaire une deuxième fois la même manipulation. Une fois que vous avez fait ça, donc là vous avez fait la première partie du travail. Deuxième partie du travail, votre logo est sur le t-shirt. Donc là je vais pouvoir hop, utiliser le mien parce que j'ai pas encore mis la phrase. Hop, donc vous avez votre logo qui est sur le t-shirt, comme ça il est accroché, super, génial. Ensuite vous mettez votre phrase en dessous. Voilà, comme ça. Donc en dessous du logo, même chose, vous positionnez votre papier sulfurisé sur le logo pour ne pas qu'il y ait un contact direct. Donc, vous positionnez votre papier sulfurisé dessus et là, étape suivante, je viens poser ma machine dessus en restant 20 secondes. Alors là, il va falloir déplacer un peu la machine parce que vous avez vu, la phrase est plus longue que la taille de la machine. Donc il va falloir bouger un petit peu sa machine. Donc je reste 20 secondes dessus. Je refais une deuxième fois parce que là, du coup, j'ai été obligée de bouger la machine. Donc, je refais une deuxième fois. Donc, je rappuie sur le bonhomme et je repasse une deuxième fois.
Voilà, vous rappuyez sur le bonhomme pour que, ça, c'est pour que la machine là. Ensuite, là, c'est l'étape où normalement ça a accroché. Sauf que ça n'a pas toujours complètement accroché. Vous voyez, là, il y a encore un petit guillemet qui n'est pas accroché. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à le revenir, le repositionner. Et ensuite, vous tirez sur votre transparent, là. Voilà. Voilà. Et là, pareil, les guillemets, ils sont encore un peu accrochés. Donc, hop, je fais le... Voilà. Et alors là, du coup, comme le guillemet accroche pas, je vais faire comme j'ai fait juste avant. Il n'y a plus de plastique, mais c'est pas grave. Je vais venir remettre mon papier sulfurisé et je vais insister sur les guillemets parce que c'est les guillemets qui n'ont pas bien pris. Donc, je vais faire 10 secondes sur ces guillemets-là. Je vais refaire 10 secondes sur les autres. Voilà. Et là, normalement, ça a accroché. Voilà, mes guillemets, ils sont bien accrochés, même un peu trop là, trop serrés, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, et donc là, votre texte est accroché sur votre t-shirt. Alors après, vous avez toujours possibilité d'utiliser un fer à repasser plutôt que faire ça. Donc dans ce cas-là, vous venez chercher le logo et la phrase dans ma classe. Tout sera dans une boîte. Il y aura des logos noirs pailletés, des logos bronze et des logos... argenté, vous choisissez ce que vous voulez. Par contre, les textes sont tous de la même couleur. Et Ingrid vous enverra le reste des logos la semaine prochaine. J'en ai fait 15. Voilà, bonne soirée à tous. Salut, salut!